Baltimore, la droitière à gauche. Jade Le Guilly, peut-être 1-2 avec Gaïro dans les 6 mètres, qui a raté son geste technique. Première situation pour le PSG avec la capitaine au départ et à l'arrivée d'une action simple, efficace. Ouais, ce ballon qui est un tout petit peu court, ce bon petit ballon de Jade Le Guilly, elle a eu du mal à se situer tout de suite. Là, ce premier, donc du côté de Rennes, hein, c'est aussi des joueuses qui ne peuvent pas... Le couteau, pardon, de Katoto, ça passe au-dessus, elle sourit, nous aussi, c'est la D1 Arkema, c'est frais, ça va vite. Et Baltimore, dans tous les coups, la qualité de pied droit, exactement, s'il vous plaît. Mais c'est ce que j'allais dire, qualité de pied droit, ce bon centre, elle va venir attaquer tout de suite le. Face à une muraille rouge et blanche, Katoto, dans les airs, le coup de tête, Chiawenga qui récupère, deuxième chance pour le PSG. Baltimore, ça passe à côté, gros coup de chaud. Sur la cage rémoise, Katoto dans les airs, puis Baltimore pied gauche, poussée parisienne à côté des buts du stade de Reims. Ouais, là j'avais trouvé de la vitesse, c'était au départ un bon travail de Baltimore, ce bon centre par Antoinette Katoto. Alors elle n'a pas de force, hein, elle est obligée de prendre un appui de pied derrière Chiawenga qui va aller chercher là cette première tête. Baltimore pour la tête et d'Almeida et au deuxième poteau. Lieke Martens, on parlait de son retour en grâce. Elle est là dans le jeu, elle est là à l'arrivée également. Lieke Martens, un coup de pied arrêté qui permet enfin à Paris de trouver la faille. Ah, on parlait de, j'en parlais juste avant la défense mixte, j'ai pas eu le temps d'expliquer. J'ai pas eu le temps d'expliquer les défauts, c'est que ça déresponsabilise. On n'est pas en course, regardez les trois centrales. Et ben... Avec son staff, comme si... Il avait vu cette situation de défense. Ballon pour Gaïro. C'est la balle de 2-0. Gaïro, l'arrêt du pied de Chemic. Tournant incontestable de ce PSG Reims à 2-0 avec la domination parisienne. On partait pour un cavalier seul. Gaïro, presque parfaite. Ouais, sur ce coup-là. Ce bon travail, elle va réussir à. Un espace qui va s'offrir ici à Tabitha Chiawenga qui va aller. Percuté, Chiawenga pied droit, la frappe de Chiawenga, c'est sur la barre, derrière il y a Martens pour le doublé, ça passe à côté, balle de 2-0, Chiawenga qui pour une fois a tout fait tranquillement, oui. Alors qu'elle était un peu empressée depuis le début du match. Oui, on avait l'impression qu'elle ne savait pas trop quoi faire, on est à deux sur elle, mais on ne va pas la faire jouer, elle va revenir rentrer dans l'axe, elle va choisir de revenir sur son pied un peu plus faible, cette frappe quasiment à bout portant. Attention, ballon dans les 6 mètres avec Mertens, c'est le 2-0. Marie-Antoinette, Katoto, le break est fait, Katoto rodé. Et Paris mène 2-0. But de Katoto, son 6e en D1 Arkema. Elles vont avoir besoin de soutien. Gilbert, là le centre est bon, la remise de la tête, elle est parfaite. Quelle passe décisive de Katoto, le doublé de Lieke Martens. Les deux dames de la soirée, Katoto qui aimante les ballons, qui attire vraiment dans les bonnes zones le cuir et qui est là impeccable pour remettre à Martens. 3-0, Paris en balade face à Reims. Là, il y a eu ce travail, elle n'a pas été très précise sur les centres jusqu'à présent. Tara Elibi Gilbert, là pour le coup, elle va bien s'appliquer ce ballon. Samedi, les matchs de D1 Arkema et le Montpellier-Lyon, il y sera sur place pour le choc. Allez, la balle de 4-0, Gaïro. C'est fait. Le but de Grace Gaïro, comme souvent au départ, à l'arrivée, le jeu avec le corps de la capitaine qui célèbre avec beaucoup de retenue, respectueux. Pour les adversaires, efficace pour Grasse. 4-0 pour Paris, c'est le tarif en 2024. Minimum 4 buts et Gaïro impeccable. A dit Jocelyn Précheur qui va être satisfait de la prestation de son équipe. 4-0 en coupe, 4-0 quelques jours plus tard dans ce match en retard de la 4e journée. Avec le doublé de Katoto. No, another win. We feel like PSG is just getting better and better weeks after weeks. Yeah, I think for us it's been a wonderful start to the year. We've had 3 clean sheets in the last 3 games and I think we're just looking to prepare for our Champions League matches coming up and it's good to keep our momentum in the league and as well as in the cup. So we're quite happy with the 4-0 win.
Oui, le Paris Saint-Germain qui progresse depuis ce début d'année, qui fait vraiment un très bon début d'année et avec ce clean sheet notamment, une bonne préparation pour la Ligue des Champions. It's going to be a crazy January month with lots of games. How do you prepare for that? I think the way we are preparing is great. We had a lot of squad rotation in the cup match, and I think a lot of players here are getting minutes. So it's going to take our full squad to get through January because we have, I think, 9 games in 30 days or something ridiculous like that. So I think for us, we're just using all our players, all our resources, recovering well, and continuing to produce results like this is promising for us. Thank you. Next time in French. Claire nous disait que